Togo has a population of over 7 million people. The capital, Lome, acts as home to citizens from across the city. CGTN's Asta caught up with Paul Bandge, a former teacher, for insight into life in the capital. I started teaching on 3 October 1999. Why did I teach? Yes, teaching, depuis mon enfance, même quand j'étais en troisième, je répétais les tout petits du cours primaire. Ça me fait plaisir d'enseigner. J'avais pris un de mes neveux pour aller à l'hôpital à Fagnan. C'est en cours de route que j'ai fait l'accident. J'ai fait AVC et j'ai resté longtemps à l'hôpital. Après ce scanner, ce qu'on a vu, on a dit que je dois aller à Côte d'Ivoire ou bien au Ghana. Et celle-là, il me faut 400 000 pour pouvoir aller. Et celle-là, ma famille et ma femme ont décidé à ce qu'on me ramène à la maison. Et on m'a cherché un masseur qui m'a massé et qui me massait 5 fois dans la semaine, 3 000 francs par séance. Et après, j'ai réduit ça à 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois. Et c'est ça qui m'a aidé à ce que je me déplace aussi. Quand je suis arrivé, déjà on m'a attendu 6 mois. Après 6 mois, on m'a donné encore 3 mois. Comme ça ne s'établit pas, on m'a demandé d'avoir de retraite anticipée. Avant de faire l'accident, je gagnais 66 000. Et maintenant, comme je suis en retraite, dans les 3 mois que je gagnais 66 000, après, quand je me suis un peu établi, j'ai fait des demandes dans des écoles privées ici. Si j'ai trouvé chez quelqu'un, je peux travailler. Même si il peut être moins de diplôme plus que moi, je vais travailler avec lui. C'est ce que je n'ai pas trouvé à faire. J'ai dit, comme je ne veux pas rester à la maison comme ça et manger, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que je commande du charbon, j'attache un peu. Alors j'ai quelques bénéfices avec ça. On peut payer les frais de scolarité de mes enfants, les donner aussi le petit déjeuner pour aller à l'école. Avec mes enfants, c'est pourquoi je battais. Mes enfants me sont chers. Oui, c'était un bon quartier que je ne regrette pas quand même d'être là parce que quand je suis un peu fatigué à la maison, comme je n'allais nulle part, et quand je suis un peu fatigué, je me déplace pour aller chez quelqu'un, chez un ami ou bien chez un cohabitant. Eux aussi me visitaient. C'est ça qui me plaît. Merci beaucoup. C'est pourquoi on doit avoir des frères, des amis.